un sorcier vous manipule, un marabout vous manipule. Pourquoi? Parce que vous avez un esprit faible. Toutes certaines choses ne vous touchent pas. Même quand ça vient et ça vous touche, ça n'a pas d'effet, ça ne peut pas résider en vous. Pourquoi? Parce que vous êtes le temps. Na pamboline sambe, oya destiné biso, poete tolobe la makamboyo. Pe a disposé yo, oyoka, oyo Saint-Esprit a bongé sinatangweye, o tomonandenge, yako pambwama. Kasi yambwete na banda, Matéya proprement dit. Makambo misatu ezali na tina makasi. Oyo na lingito partage makambo wana nde apre tokoti na mama ya likambo na biso tolobi amen. Amen. Na yokiyote tolobi amen. Amen. Lobali soso amen makasi. Amen. Gloire à Dieu. Likambo ya yambo na lingina loba. Ezali kotala. Oye koki kozala kati na motema na yo na poko alelo. Est-ce que makambo ya kindoki? Solo est-ce que ezali? To ezate. Motuna wana nde motuna ya liboso. Toyokaka na banda a makambo na botika ezaba aventure bino bozo sala. Ngai nandimaka makambo wana te. Ezali pe na biteyelo mosusu ete ya kandenge wana makambo wana ezalaka te. Ce sont des choses que vous montez de toutes pièces. Ça n'existe nulle part. Mais ce qui tolobele yango ezali pambate parce que le Seigneur sûrement nous en a parlé. Yango nalingina pesa yo d'abord premier conseil pour être wolanda séminaire ou bien pe e pambola yo. Toko tire conseil wana na mukanda ya 2 Corinthiens. Bako tangela biso na chapitre 4 verset na yango 4 toli wana ya liboso na zali kopesa yo. Lisons les livres de 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 4, je lis par la foi au nom de Jésus. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle commencez par 3. Si notre évangile est encore violé, pardon. Si notre évangile est encore voilé, ce qui sango malamu na biso ezali nanu ya kobombama kobatama. Il est voilé pour ceux qui périssent. Ezali ya kobombama pona baye bazali ko beba to bako koisama to bazo koisama. Pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence. Pona bato ya mitema makasi baye nzambe ya ekeke oyo asiliko zipa maye mayele na bango enfin qu'il ne vise pas briller pointe batika komona te la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ kopela ya kembo oyezali kouta na sango malamu qui est l'image de Dieu oyo ezali elilingi na nsambe. Amen. Amen. Les kambo ezali tango mosusu pe na sal awa. Et konsa la motupe aya lobi na yena no pona curiosité.
est-ce que ce sont des choses vraies ou bien balinka ba église bité un biyamba balinga kama kambo ezali sensationnel pona kobenda bato kobenda makanisi ya bato regard ya bato te kolandisa ma 2 Corinthiens 4 3 et 4 parole est claire soki maloba na biso soki évangile tozali koteya ezali nanu ya kosipama bato bazo sosola yango te loba ezali kotala baye zambe ya ekeke oyo satan azipi makanisi azipi mayele na bango po ete ba comprendre lo kote ba sosole lo kote ba vivre ndenge wana pour dire quoi pour dire clairement et effectivement que le thème que nous abordons est réel, est vrai. C'est la deuxième édition, mais na monika vana kende musika na bande la po mingi bayoka kinga ite il y a je crois 2 ans ou quelques années seulement bayoka ki mateya oyote. Mais nous qui y avons suivi, nous avons le véritable témoignage. Que même tango toyoka kiango, sur base de la révélation, même l'Église a été totalement transformée. Vous savez pourquoi? Le diable ne joue que sur l'ignorance. Car la vérité en Christ, elle libère. Amen. Nayokite, amen. Yango na ko senga na yo tika o curiosité na yo ezala positive ndengo yewana fanda loba na ye pointe na yoka parce que j'ai besoin d'écouter, j'ai une vie que je dois mener. C'est le premier conseil nazali ko pesa yo po to tambola malam Zambé Azolokumu Katinabiso. Deuxième chose, na koloba, na poko alelo, avant na banda, ezali ke importance ya sujet tozana yango. Na kobanda na témoignage, Église na biso. Tozalaki katina makambo kilikili ba ndeko mingi awa ba yebi angar oyo elaki ya kokweya. On ne savait pas qu'est-ce qu'il faut faire. On s'interrogeait. À des moments, on pouvait avoir même l'argent, les moyens. Mais le courage manque de faire, de travailler, de fonctionner. Courage wana ezate. Courage wana yakobongisa telle chose ezate. Potopoto na katiawa soki mbule beti mai nyonso ya libande kokotawa. Alors on avait na makambo ya kibi pekiselo. Bosala boyete, bosimba boyete par révélation Saint-Esprit. Aye korienté ngai enseignement na ko partager na yolelo o supporter ndenge na zo sangisa lingala na français les ali poete na moni na découvrir que ba interprète bazate azali papa tokoki ko bloquer musala ya nzambe te parce que les instruments bazo manquer. Alléluia, amen. Alors, je vais le faire en français. Nakosala ngope na lingala. Azali papa. Amen. Amen. Il
Je disais la deuxième chose. Nabandaki kolobelo kami balé, nabandé koloba. C'est l'importance de cet enseignement. Yali la question. Vous allez comprendre ce que Dieu pense. De la manière que les gens vivent quand ils sont dans l'ignorance, quand ils sont dans l'oubli. Je vais demander à la lectrice de nous lire le psaume 91. Rapidement, parce qu'on n'est que dans du tout puissant. Ye a pemi na kobati la manao yanguya nyos. J'ai dit à l'Éternel, Nazwe sana Yahweh, mon refuge et ma forteresse. Et qui me l'a pe bokasi nangai. Mon Dieu en qui je me confie. Zambi nangai epai nanani na zotie la motema. Car c'est lui qui te délivre du filet des loiselaires. Pamba te yende motu azali ko kangola yo na ba flèche nyonso. De la peste et de ses ravages. Pe boko nona bome manina yango. Amen. Amen. La sorcellerie est une peste. C'est de la peste. Kindo ki ezabok lokola bokona peste. Qui crée beaucoup de ravages. Oyo ezo mema batwe bele na kufa. Le ravage, ça veut dire la destruction. Komema na yango e inkoba ko bebisama. La Bible dit, Bibi, c'est lui qui te délivre yende yo, de la peste, na peste et de ses ravages. Ça veut dire inkoloba, ce fléau-là mon pepe wana ya mabe, a existé ezalaka, dans le temps. Na tangwakala. Peut-être que ça continue. Dans ce zokoba. Ce n'est qu'une manière. Li mon pépé ma bé ou ezokela. Bon même ma mie belé. Ko bébé sama. Oyo moto ko so solaté. Talatina. Église est bengami ko zoa sango. Oye singeli. Natina ko kima. Peko yamba. Bukamurami na bokono wana na mopepe wana oyeza lelo babengi yango lelo kindoki. Tala ntina toza wana na ntina kopesa eklesia makasi na kolendisa ye. Il y a coupé sa impico. Tant où il y a vu ma casse, a coupé babo solo. Zokande. Et zabo solo ne zope sa bon somi. Lolingue komami. Bokwe babo solo. Pe bo solo et coupé sa bino bo somi. Tolia misa tuna pesa bino. Kolandisa manawe liboso. Bazoyate. Lokola motali kaka. Ezana bosolo moko. Ezana mukono ya peste. Ozo bebisa. Zwa. Otobika ki mobu eleki. Kokange mayabatu na bandako komemana na yango oyezala kina bokono moko oyezai ko bebisa mokili omoni lelo boni bikole telemi bakambe ya mboka pe telemi pona sani ese ko telemi la yango biso na etali molimo ezana mingi. Na oezali ya bomoto. Talatina lilobelobi. Na tina peste.
pe ko bebisa mana yango. Ngokone zo bebisa. Oye zo balo la epe zo kwe isa nyonso. Peto ko so sola yango. Na. Malaki si oto ko zwa. Tulia misa tu na pe sabino. Po boye na pamba te. Na banza ite. Liloba. Et tinda melibino. Et zapo na rolobanini. Na yewa. Et zate po na ko loba simanzambe ko ebisanga makam. Et zate po na ko boya. Kasi po na ko yoka. Pe ko singa molimo osante. Asunga nga nandima. Pe te tango nandimi. Nga ina ko sala. Tango na ko yamba. Na ko bota mbuma. Tango na ko nima mboto. Na ko bota bimisaba mbuma. Totanyi yangu na mukanda masese. Mwana na ngai. Kobosa na malakisi na ngate. Ete motema na we bati la malako na nga. Mwana na ngai. Kobosa na malakisi na ngate. Pea yo motema e bati la yanga malako. Bamba te ekokomisa mikolo pe mibu ya bomo ino molayi. Pe ekomatisa kimia na yo. Mon fils, mwana na nga ya mobali, ne rejette pas obwa kisate mes enseignements. Ya nga malako. Pourquoi? Pona nini? Ces enseignements malakisio prolongeront ta vie. Ekobakisa mikolo na yo. Ces enseignements malakisio yo augmenteront ta paix. Ekobakisa kimia na yo. Face aux dérives du siècle présent. Libosa ko bebisama ya ekeke oyo. L'église a besoin des enseignements. Église ezana bosanga malakisio. Approprié. O esengeli. Si le diable cherche à faire des victimes. Soki zabola zo luka batu po bakoyisama. Ce n'est pas au milieu de nous. Ezana kati na biso te awa. Pourquoi? Parce que cela entre totalement dans le cadre de notre mandat. Proverbe 24, 11 qui nous dit délivre ceux qu'on traîne à la mort et ceux qu'on va égorger. Sauve-les. Alors ne rejette pas les enseignements. Ne dis pas à quoi bon. Qu'est-ce qui va changer? En m'écoutant ce soir, je te dis, je te mets dans un avion qui te conduira dans une autre direction de grâce que la première direction. Ne rejette pas mes enseignements. Pourquoi? Parce que mes enseignements feront quoi? Prolongeront les jours de ta vie. Et ces enseignements augmenteront la paix dans ta vie, dans ta maison, dans ton travail, partout où tu es. Maintenant, si tu m'as écouté, parce que deux personnes ne peuvent pas évoluer ensemble, si elles ne se sont pas mises d'accord. Alors si on est d'accord, et que ton cœur est rafraîchi, et que tes pensées sont tournées maintenant vers le « ainsi dit le Seigneur », lève la main droite et dis « j'accepte ». Que Dieu te bénisse. Maintenant, commençons notre enseignement.
dans le verset, dans la version lue par la sœur. Na mokanda to Biblia oyo ndekwa tangi. Je pense Louis Segond. Na bavuze za Louis Segond. Nous revenons au livre de Galates 3. Le verset 1 à 3. On dit quoi? Au Galates dépourvu de sens. Oh, bino baya Galates, qui vous a fasciné? Nani allo kibino? Mais dans ma version, Bible expliquée, on nous dit clairement. Oh Galate, oh bino baya Galate, insensé, ba tokozanga maele, qui vous a ensorcelé? Nani aloki bino? Galate insensé, ba to Galate bazangi maele, qui vous a ensorcelé? Nani aloki bino? C'est-à-dire, Inkoloba, la parole de Dieu Lilobananzambe atteste que la sorcellerie existe. Ezalaka. Les Galates, baya Galates ont été ensorcelés. Balokamaki. Ils ont commencé. Babandaki. Ils avaient une vie. Bazalaki na bomoi. Mais curieusement, kaskokamwa, on se rend compte bamoni que était leur marche otambola na bango avait changé. Et bongo na ki. C'est comme ça que la marche de beaucoup de gens ne commence pas d'ailleurs. Ezo bandaku tuté est bloqué. Et ceux qui commencent babanda et les modifier dans le parcours. Au lieu qu'on aboutisse à des choses les meilleures, on se rend compte qu'on n'est pas dans la grâce. Pourquoi? Parce qu'on a la parole reconnaît que l'ensorcellement existe bel et bien. Qu'est-ce qu'on peut entendre? Premier point, par la sorcellerie. Ceux qui écrivent, écrivez bien aimé. La sorcellerie, c'est l'art, la profession qui vient du pouvoir que Satan donne à certaines personnes en vue de nuire aux autres, en vue de jeter les mauvais sorts ou d'envoûter, globalement détruire, amener le ravage. Vous avez suivi? Olandi. Il y a des personnes que le diable mandate en leur donnant un pouvoir surhumain, surnaturel, envie d'agir pour nuit, jeter des mauvais sorts, envoûter, bref, détruire. Voilà pourquoi l'apôtre, le Saint-Esprit parle aux Galates en disant aux Galates: mais qui vous a ensorcelé? C'est qu'il y a des gens qui ensorcellent les gens, qui ont un pouvoir donné d'agir contre d'autres personnes pour les détruire. C'est comme ça que vous voyez. Dans mon deuxième conseil, j'ai parlé de la peste qui ravage sur son parcours. Combien aujourd'hui sont détruits? Combien de foyers menacés, détruits? Combien de familles, combien meurent conformément à
Au Proverbe 24, nous au moins nous avons eu la grâce d'avoir ce mandat de délivrer ceux qu'on traîne à la mort. Mais combien sont traînés à la mort? Nous avons eu la grâce de sauver ceux qu'on va égorger. Mais combien sont égorgés? Voilà pourquoi le Saint-Esprit dit: qui vous a ensorcelé? Et vous allez comprendre qu'à partir de ce soir, vous êtes en mesure, vous êtes appelé à vivre autrement. Nous l'avons expérimenté ici. C'est vrai, vous allez dire, mais qu'est-ce que... Mais vous ne savez pas à quel point nous étions. Cet enseignement a brisé le lien. Aujourd'hui, nouvelle du salut est une église glorieuse. Oh, si vous êtes là, dites amen. C'est ce que je vais faire avec vous. Votre famille doit et deviendra une famille glorieuse. Votre mariage va et deviendra un mariage glorieux. Vos projets devront et seront le projet de vie glorieux. Pourquoi je dis ça? Pourquoi Christ donne la vie et il la donne avec abondance. Dites avec moi: c'est la vérité. C'est la vérité. La sorcellerie, comme je l'ai dit, sa définition. Ce pouvoir agit. Je peux vous donner un petit témoignage. Vous en aurez beaucoup au courant de cette enseignement. Un ami qui devait voyager. Il n'était pas dans sa province ni dans sa famille. Il évoluait dans une structure toujours ici au Congo, mais pas dans sa province. Et il obtient une bourse pour aller faire continuer ses études en dehors du pays. Il s'est dit: je ne peux pas seulement quitter sans aller dire au revoir à la famille, vu que ce voyage que je ferai, je suis déjà loin d'eux, ça va encore augmenter beaucoup de jours et on ne se verra pas. C'était une bonne intention. Il prend l'avion. Écoutez comment les choses se passent. Il prend l'avion. Il arrive à l'aéroport de sa province. Sa famille est informée qu'il venait. Quelques-uns étaient à l'aéroport pour l'accueillir. Parce qu'il devait faire au moins une semaine et revenir. Quand il arrive à l'aéroport, le sac, le petit sac, qui avait des documents, passeport, visa et passeport, visa, disparaît à l'aéroport. On appelle ça vol. Donc ceux qui étaient là ont appelé, on a volé le sac qui a des documents de notre frère. Même lui, dans sa tête, il se disait qu'on a volé le sac. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous dit: ce qu'on va égorger, sauve-les. Chez vous, il vous est déjà arrivé de voir, et ça se voit à Kinshasa, là où on vend les tabacs, les bombes.
Vous voyez comment on égorge les tabacs. Pour vous faire des cabris, il y en a qui aiment ça, ce qui n'est pas mauvais. On appelle ça égorger. Il y en a qui mangent, qui aiment manger le poulet, ou la poule ou les coqs, qui a la vie. Mais pour le manger, on l'égorge d'abord. C'est ça, égorger. Alors, pour nous, les hommes, la parole dit, il y a des gens qu'on égorge. Ça s'appelle quoi? Crise. Il a fait une crise. Parce que vous n'allez pas voir le couteau qui coupe sa tête. On appelle ça crise, on appelle ça accident, et ainsi de suite. C'est ça aussi. Quand l'ami a perdu les sacs, on appelle cela vol. On a volé les sacs. Mais écoutez comment les choses se passent. On cherche, on ne trouve pas. On cherche, le voleur a disparu avec les sacs. Il était obligé d'aller voir ses parents au village. Il a pris le camion, la jeep, il est parti. Le transport, il est parti. Il arrive. Il devait faire au maximum une semaine. Parce que la deuxième semaine, ces documents-là devaient expirer. Il devait se retrouver au lieu où il devait être. Il était bloqué. Il se retrouve au village. C'était un deuil sûrement. Une semaine passe. Le délai expire. L'homme est bloqué. La deuxième semaine, vers la fin de la semaine, il était allé se promener dans le village. Quand il revient dans là où ça fait quoi? Ça s'éparpille. La photo délavée, les autres documents avec, et quand il tient 16 documents originaux, mais imbibé d'eau. Yango penza mai. Mouillé. Yango penza zui mai. Comment cela est arrivé? Ndengenini yango yaki. C'est perdu à l'aéroport. Eli mwen aéroport. Comment ça peut se trouver au village? Ndengeni eko mona na mboka. Et comment ça doit être mouillé? Pendeni eko zana mai. C'était gardé où? E bomba makiwa. Voilà pourquoi. Dala tina balingami. Ce conseil que je te donne. To li onga na pesa. Garde ces enseignements. Patela malakisio. Pourquoi? Ils éclaireront tes yeux. Ils prolongeront tes jours. Et ils augmenteront ta paix. On dirait que vous n'acceptez pas ce que je dis. Si vous êtes là, disons amen. Amen. Je n'ai pas entendu qu'on dise amen. Amen. Encore amen, plus fort. Ça, c'est l'œuvre de la peste et de ses ravages. Alors, ce pouvoir qu'on appelle sorcellerie, quand le diable donne cela à des gens, c'est pour agir, comme je l'ai dit là. C'est ainsi, bien-aimé, la sorcellerie à des modes d'opération, à des façons d'agir. Voilà mon deuxième point. Dans l'ordre de la sorcellerie, par le sang. Le diable connaissant la chute d'Adam, il sait. Tous ceux qui naîtront d'Adam seront ma propriété. C'est ainsi dans Jean 3. Christ dit à Nicodème, pour que tu entres dans le royaume, il faut que tu naisses de nouveau. Parce que Satan sait, tous ceux qui naissent d'Adam ne peuvent pas lui échapper. Ainsi le sang devient un grand vecteur, un grand avantage pour que le diable agisse.
Et vous allez comprendre. Deux choses. La première. Le diable agit par ce qui est dans le sang. Les anciens se souviennent. Ce que nous appelons la voix du sang. Genèse 4, le verset 10. Moi, ce que j'ai fait, je te révèle ce que tu as déjà lu des fois. Un jour, j'ai prêché quelque part, une grande église, et je parlais sur mon mandat, le mandat que j'ai reçu. Proverbe 24:11. Quand je parlais des gens qu'on égorge, le pasteur de l'église, après l'enseignement, il s'est dit, debout, il dit, en tout cas, il y a aussi dans ce monde des gens qu'on égorge. Je ne les savais pas. Effectivement, vous pouvez lire, mais pour comprendre, vous avez besoin de cette révélation. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Genèse 4, 10. Je lis au nom de Jésus. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Mon gong wa makila yande kona ezo ganga ko uta mabele kino pa inanga. Amen. Qu'as-tu fait? Nini osali? Kayen. Kaina. La voix du sang. Mon gong wa makila. C'est que le sang a une voix. Niko ba makile zana mon gong. Vous qui ne savez pas, sachez-le, le sang Makila a des mots, a une voix, et il crie. Il peut crier. Dans Hébreux 12, Mokanda, la parole dit, Lilobelobi, le sang de Jésus Makila Yesu, qui parle mieux, malam, je crois au verset 24, na banza verset 24, mieux que celui d'Abel. Et lo, c'est-à-dire, malam, malam, il adam parle. Et c'est là Pesawana que la sorcellerie pose ses fondements. Et l'ennemi sait que la voix du sang qui est en l'homme devient et l'objet d'identification. Cet homme-là. Bien-aimé, vous pouvez être en Amérique. Vous pouvez être au Canada. Mais, si, on vous identifie. Bah, on dit non, lui, yeah. Mes frères, pouvez-vous penser, et c'est le travail que j'ai fait, délivrer les gens par le téléphone. Quelqu'un qui est au Canada, quelqu'un qui est aux États-Unis, quelqu'un qui est en Europe, là où au moins il y a toutes les opportunités, mais rien ne marche. Il vous dit, je suis incapable d'avoir 100 euros, 100 dollars, 200 dollars. Et tout ce que je vois dans mes sons, je vois toujours des menaces. Et je vois toujours, je suis chez nous. Dans la maison. Ça, c'est un exemple, des exemples. Mais il a quitté la RDC. Il a traversé l'océan. Pourquoi? Il ne peut pas se séparer. Et avoir une autre vie. Vous allez trouver qu'ils peuvent louer une maison, ils sont à toi. Dans cette maison-là, deux progressent, mais lui, il ne progresse pas. Pourquoi? Parce que quand il y a des réclamations, quand il y a des actions de sorcellerie, on l'identifie.
Ils peuvent être au lit là. Son lit tel dans sa chambre. Sa chambre sera identifiée. Lui est dans la chambre à gauche. Ceux-là qui agissent contre lui n'ont jamais mis pied en Europe. N'ont jamais mis pied à Lubumbashi ou en Zambie. Ou ailleurs. Mais par quel canal ils peuvent l'identifier, la voix du sang. Il suffit qu'on active ce code là, que le sang parle, on sait que c'est lui, c'est lui. Voilà pourquoi des gens, vous pouvez fuir. Oh non, moi je fuis Kimbansi que parce que c'est là où il y a toute la famille, je vais en Bisa. La distance n'est rien. Amen. Parce que le sang, comme on dit en Lingala, et ça, ce sera repéré. C'était si bien aimé. On vous identifie. Il vit telle place. Il fait du travail dans telle entreprise. Vous pouvez quitter le travail le soir. Vous venez le matin. Le patron vous dit, ne mettez plus pied ici. Vous dites, patron, est-ce qu'il y a un problème? Mais hier, vous m'avez dit que j'aurai la promotion dans 3 jours. Moi, allez, décale d'ici. Comment ont su, ils ont su que tu travailles dans l'usine d'assemblage? La voix du sang. Ils savent aussi tout ce que tu peux avoir ou tout ce que tu peux faire. Quand tu as l'argent, ils savent. Tu vas voir les demandes se multiplier. Quand on voit que non, il veut réussir, on peut créer des circonstances, des querelles, des troubles. Je vous donne un exemple. Une amie à maman pasteur. Jusqu'à ce jour, elle ne travaille pas. Par leur canal, elle trouve un emploi Monsala à Medikis. C'est un grand hôpital en ville là. L'hôpital Mongomonene kuna na Gombe. Alors, boye, le patron Mokondi yakuna devait voyager. Et c'est là qu'il a mis Bembika. Je crois vers 15h. Na banza na 15h. Elle arrive à Komi. Et le patron dit non, comme le temps n'est pas tellement, on n'a pas assez de temps, je dois signer son contrat. Sengeli n'a signé un contrat. Et il demande à une dame, là, il faut faire lui une petite formalité. Examen. D'examen. Et seulement une formalité. Qu'elle réussisse ou pas, non. C'est une formalité parce que l'entreprise veut ça. Et je signe le contrat et je voyage. Écoute-moi bien. La dame l'a dit non. Prends un livre, hein. Lis cette page-là, l'autre page-là. Après, je vais te poser 2 ou 3 petites questions de cette page-là. Et je donne le rapport au patron. Donc tu commences les travaux. À Medici, ils sont payés très cher. 1500, 2000, 2500. Écoutez comment les choses se passent. Quand elle prend l'ouvrage,